must come together as one. The world must come together as one, because there are people dying. That while we're there trying to do something, trying to lend a hand to some needy ones, because we those who make the day to be brighter. Yes. Bonjour. Encore un grand plaisir de me tenir devant vous, parce que je suis de ceux qui payent toujours leurs dettes. Et je suis là pour payer ma dette, celle de vous accompagner. La vie est un choix. Tout est un choix. C'est ce que le chant est en train de dire. Si nous pouvons faire quelque chose pour rendre le jour encore plus éclatant pour quelqu'un dans le besoin, alors le monde saura qu'il y a quelqu'un qui prend en considération les difficultés des autres, les maux des autres, les troubles des autres. Et je suis de ceux-là. Alors, comme je l'avais annoncé, le thème d'aujourd'hui sera axé sur « Sois toi-même ». C'est vraiment un message d'interpellation, un message enseignement qui va réellement aider quelqu'un à reconnaître réellement son identité, je m'excuse, et ce qu'ils sont censés être. Voilà. Alors, « Sois toi-même ». Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase. Peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un dire à quelqu'un d'autre, mais sois toi-même. En anglais, be yourself. Peut-être on vous l'a déjà dit à vous aussi. Be yourself. Sois toi-même. Soyez vous-même. En d'autres termes, revêtissez-vous de votre vraie identité. Soyez ce que vous êtes censé être. Et ici, je viens m'adresser à quelqu'un, directement à quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit « sois toi-même ». Parce que des fois, quand nous employons le « vous », ça paraît comme si on s'adresse à beaucoup de gens. Donc ici, là, Ben est en train de s'adresser à quelqu'un, à un individu. Je ne sais pas c'est qui la personne, je ne sais pas qui sera concerné par ce message, mais je sais que ça va toujours aider d'une manière ou d'une autre. Sois toi-même, we are the world. Donc, tu as raison d'être toi-même, hein? Nous nous sauvons toujours, nous nous dédouanons toujours, nous nous dépannons toujours, mais nous ne le faisons pas toujours pour les autres. Il arrive aussi des temps qu'on doit se mettre à côté pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette chanson. Alors, sois toi-même, je commence. Et je ne serai pas long. Je pense que 30 minutes me suffiront pour pouvoir exprimer ce que j'ai sur les cœurs. Alors, sois toi-même sera réparti en tranches, parce que je ne serai pas épuisé cette grande matière en un seul jour. C'est pourquoi j'irai avec ce sujet à la manière des enseignants. Alors, je vais développer différents aspects, différents points, différents chapitres et j'en passe. Sois toi-même. Je suis là pour
m'adresser à toi. Alors, qu'on se regarde les yeux dans les yeux, alors que je t'ai dit, sois toi-même. Revêt-toi de ta vraie identité. Mes chers amis, la vie est un choix. La vie est un fardeau. Alors, nous devons faire des efforts pour pouvoir l'alléger les uns pour les autres. Oui, la vie est un vrai fardeau. Et tout ce que nous faisons dans la vie est le résultat d'un choix qu'on a fait, d'une décision que nous avions prise, peut-être qu'il y a 20, 30, 40 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences du choix que nous avons fait, de la décision que nous avions prise. Mais il n'est pas tard pour mieux faire. La vie est un choix. Et maintenant que tu es là, maintenant que tu es en train de passer par des choses par lesquelles tu passes, tu n'es qu'en train d'être le résultat de ton choix sur ta propre vie. Donc, tu as fait un choix, et quand ce choix a engendré, ça a engendré toi. Donc, tu es le résultat de ton choix sur ta vie. Je ne sais pas quel était ce choix-là, mais tu es le résultat de ce choix-là. C'est pourquoi il faut savoir s'assumer. Dans la vie, il faut savoir s'assumer. Tu dois savoir t'assumer. Tu dois savoir assumer tes choix. Tu dois savoir assumer tes décisions. Parce que tu es le résultat de ton choix. Tu es le résultat de ta décision que tu as prise il y a des décennies. Mais curieusement, l'une des choses le plus difficile qui soit, c'est de se définir soi-même. Parce que tu ne peux pas savoir qui tu es, ce que tu es, si tu n'es pas en mesure de te définir. Et alors la tâche la plus difficile, c'est d'abord de se définir soi-même. La tâche la plus difficile que tu y as, c'est de te définir toi-même. Et en général, quand je te dis « sois toi-même », cela signifie « sois fidèle à ta profonde... » Donc, je disais, quand je dis « sois toi-même », cela signifie « sois fidèle à ta profonde identité ». Plutôt que de simuler quelque chose que tu n'es pas, ou que tu penses être, ou que tu penses que ce sera attrayant pour les autres. Donc, quand je t'ai dit là, sois toi-même, ça signifie réveille-toi de ta vraie identité. De ton identité profonde. Parce que tu as longtemps été ce que les autres disent que tu es. Tu as longtemps fait les choses selon l'entendement des gens, selon l'entendement des autres. C'est comme si tu vis pour les autres. Tu vis aux dépens des autres. Mais je suis venu te dire que il est temps pour toi que tu puisses te revêtir de ton identité profonde. Parce que tout être humain possède deux identités. Il y a l'identité profonde que nous appelons aussi l'identité intérieure et l'identité extérieure. L'identité intérieure, c'est ce que tu es réellement. Et l'identité extérieure, c'est ce que tu partages avec la société.
Par cette identité, on peut aussi sous-entendre deux images. Donc, tu as deux images. Une image intérieure ou interne et une image extérieure ou externe. L'image intérieure, c'est ce que tu y es réellement. Et l'image extérieure, c'est ce que tu partages avec nous autres, avec la société, avec des gens qui te voient, des gens avec qui tu vis. Alors, tu n'as pas raison de simuler une identité pour plaire aux gens qui te regardent. Ça fera de toi un hypocrite. Écoutez le coach. Alors, en te connaissant et en étant toi-même, tu seras fier de ton identité. Oui, tu seras fier de ton identité. Tu seras fier de ton authenticité. Tu seras fier de ton originalité. Et tu vas pleinement assumer cela. Donc, quand je te dis, sois toi-même, en d'autres termes, je veux dire, sois honnête envers toi-même et sache assumer tes choix. Voilà le point. Donc, quand je te dis, sois toi-même, je veux aussi dire, sois confiant en toi-même et reconnais ta mission sur la terre. Parce que tu n'es pas venu au monde pour simplement être un autre être humain. Mais tu es venu sur terre dans un but. Tu as une mission. Alors, quand je te dis, sois toi-même, je veux vraiment te dire, sois confiant en toi-même. Sois confiant en ton identité intérieure. Et reconnais ta mission sur la terre. Parce que souvent des gens qui n'exploitent que l'identité extérieure, ils font des choses pour impressionner, ils font des choses pour plaire, ils font des choses pour attirer, parce que les autres ne voient que ce que leurs yeux peuvent percevoir. C'est pourquoi les gens se sont défigurés. Il y a des gens qui sont fait faire des implants métalliques pour ressembler au tigre, pour ressembler au léopard, pour ressembler au lion, pour ressembler au chien et tout consort. Ils ont exploité leur identité extérieure que les hommes et les femmes perçoivent. Mais ce n'est pas ça leur mission. Ils ne sont pas venus sur la terre pour se faire faire des implants métalliques et ressembler aux animaux. Ils ont juste échappé à la cause. Ils ont juste manqué le but pour lequel ils ont été faits être humains. C'est pourquoi je suis venu te dire à toi, sois toi-même. Donc, sois confiant en toi-même et reconnais ta mission sur la terre. Pourquoi est-ce que tu n'es pas un animal? Pourquoi est-ce que tu n'es pas un reptile? Pourquoi est-ce que tu n'es pas un oiseau? Pourquoi est-ce que tu n'es pas un arbre? Tu es un être humain. Pourquoi? Sois toi-même. En te disant, sois toi-même, je veux dire, en d'autres termes, sache identifier et reconnaître tes points forts et tes points faibles. C'est là aussi un point très important. Sache identifier et reconnaître tes points forts et tes points faibles. Parce que c'est facile d'identifier, mais ce n'est pas toujours facile de reconnaître. Tu peux identifier. Oui, tu as bien fait. Après avoir identifié, reconnais cela. C'est pourquoi souvent, quand vous allez dans une interview d'embauche, souvent,
Le manager va vous poser une question, va vous demander quelque chose. Par exemple, parle-moi de toi-même. Parle-moi de toi-même. Il y a d'autres qui disent, définis-toi en trois mots. Alors, cela ne veut pas dire que vous êtes là pour parler de votre vie sociale ou de votre vie privée. Parce que souvent, les gens, ils disent, ok, bon, parler de moi-même. Bon, je m'appelle XY, je suis marié ou je suis en couple ou je suis célibataire ou je suis père ou je suis mère ou j'habite à tel endroit, je suis catholique 100%, je suis pratiquant, je crois en Dieu. Il ne s'agit pas de ça. Parle-moi de toi n'a rien à voir avec ce que les gens racontent lors des interviews d'embauche, lors des entretiens d'embauche. Mais quand le manager, celui qui va t'engager, te demande de lui parler de toi, il a besoin de connaître ton parcours professionnel. Tes qualifications. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as étudié? Tu es expert en quoi? Tu as de l'expérience en quoi? Où est-ce que tu as travaillé? Qu'est-ce que tu as pu réaliser dans la vie professionnelle? Donc, il n'est pas question d'aller dire là-bas, j'ai des triplets, j'ai des quadruplets. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela, moi, je suis chrétien. Ça n'a rien à voir avec ça. Du tout. Donc, sois toi-même. C'est une petite phrase, mais qui regorge en elle beaucoup, beaucoup de mystères. En tant que psychothérapeute, des fois, quand je suis en contrat avec un patient ou un malade ou un client, nous signons une alliance thérapeutique. Alors, après avoir parcouru, après avoir glané dans la vie de la personne, avec ses propres réponses bien sûr, la dernière question qui figure sur l'alliance thérapeutique, c'est comment te définis-tu en tant qu'être humain? Et dans la plupart des cas, même il y a même des patients, de clients qui vont suivre ces directs ou qui sont en train de suivre ces directs qui se reconnaissent dans ça. Souvent, les gens échouent à se définir eux-mêmes en tant qu'être humain. Je reçois des réponses telles que je suis marié, je suis mère de 3, 4, 5 enfants, je suis musongé, mon totem c'est l'antilope. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est un peu comme devant un entretien d'embauche. On n'a pas besoin de connaître le nombre de vos enfants, ou là où vous habitez, ou votre tribu, ou votre appartenance sociale, ou votre orientation sexuelle, ou votre religion. On n'en a pas besoin. Pendant l'entretien d'embauche, on a besoin de votre expérience professionnelle. De la même manière, ici, devant une alliance thérapeutique, on a besoin de voir comment est-ce que la personne se voit en tant qu'être humain. Mais très souvent, les gens tapent à côté. Alors, pour mieux te définir, tu dois d'abord mieux te connaître. Connais-toi toi-même. Sois toi-même. Ce sera long. C'est pourquoi je vais essayer d'aller avec ça petit à petit, point par point. Aujourd'hui, je suis en train de donner l'aperçu général de soi toi-même. Et si vous me faites le plaisir de partager cette vidéo, ça pourrait aider quelqu'un. Qui sait?
Mes vidéos ne sont jamais monétisées. Ne pensez pas que vous êtes en train de m'enrichir en partageant mes vidéos. Je ne monétise pas mes vidéos. Je reçois ces choses gratuitement et je les partage aussi gratuitement. Parce que quand je reçois une inspiration, je ne paye à personne pour avoir une inspiration et parler de ces choses. Donc c'est au prix du grand sacrifice, d'un grand sacrifice, que je fais ces choses, que je partage avec toi ces choses. Alors partage aussi avec les autres. Alors, en tant que des êtres humains, nous naissons comme des éponges. Vous connaissez tous c'est quoi éponge. Nous naissons comme des éponges. Nous sommes vides. Comme une éponge vide. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons remplis? Qu'est-ce qui fait que l'éponge soit remplie? L'éponge s'est remplie en s'imprégnant de son environnement. Son environnement, ça peut être l'air, ça peut être l'eau, ça peut être de la poussière. Alors là, l'éponge va s'imprégner et se remplir de son environnement. Et des fois, l'éponge ne se rend pas compte qu'elle est en train de se remplir en s'imprégnant de son environnement. C'est ce que nous sommes. Nous naissons vides. Alors, une fois que nous nous imprégnons de notre environnement, sans nous en rendre compte, nous nous retrouvons remplis soit de bonnes choses, soit de mauvaises choses qui nous ont été léguées par notre environnement. Donc, tel que tu es là, tu es rempli soit de bonnes choses, soit de mauvaises choses dont tu as été imprégné de ton environnement. Tu n'as pas choisi ton environnement en naissant. Tu as trouvé l'environnement. Tu as trouvé un papa toujours absent. Un papa qui a beaucoup de maisons. Un papa qui a beaucoup de maîtresses. Aujourd'hui, là-bas, demain là-bas, après-demain là-bas, comme nous suivons dans des témoignages, il y a une femme, oh la pauvre, qui dit, elle, dans leur maison, ils n'avaient jamais passé 30 minutes avec leur papa. Il était toujours parti. Donc, tu es né dans cet environnement-là, sans ton consentement, sans ton choix, sans ta décision. Tu as trouvé les choses comme ça. Un papa toujours parti. Un papa Samson qui ne fait que battre maman en votre présence. La dénuder même en votre présence. L'insulter, la bousculer, la jeter dehors. C'est un environnement. Et les choses, les vibrations, les énergies qui se dégagent de cet environnement, c'est de ça que tu t'imprègnes. C'est de ça que tu te remplis. Ça peut être de bonnes vibrations, de bonnes énergies. Ça peut aussi être de mauvaises vibrations, des énergies négatives. Donc, on est rempli soit de bonnes choses, soit de mauvaises choses. On est imprégné soit de bonnes énergies, soit des énergies négatives. Alors, quand l'homme grandit, quand la personne grandit, à un certain âge, avec une certaine maturité, la personne pourra dire, je dois faire mon choix. J'ai jamais choisi ma famille. J'ai jamais choisi mes parents. J'ai jamais choisi mon environnement. Mais maintenant, je dois choisir. Et du moment que tu as choisi ton environnement, c'est du moment que tu as commencé à assumer ton choix. C'est du moment que tu as commencé à assumer ta décision. Mais souvent, les gens cherchent toujours à esquiver. C'est pas évident d'esquiver. C'est pas évident d'échapper ou de contourner. On doit faire face au choix. On doit regarder nos choix en face. Tu dois regarder tes choix en face. Tu dois regarder tes décisions en face. Les affronter, les assumer. Maintenant, tu croiras vivre
selon ta façon de voir la vie. Alors que ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas selon la façon dont tu conçois la vie, mais c'est selon la façon de voir des autres que tu vis. Tu m'as compris? Donc, tu vis selon des opinions sociales. Tu es ce que tu es à cause des opinions sociales. Toi-même, quand tu as fait le choix de vivre à un endroit, tu avais établi des principes, des règles de vie que tu devrais observer. Mais tu t'es retrouvé en train de vivre selon les gens. Tu t'es retrouvé en train de vivre pour plaire aux gens. Tu t'es retrouvé en train d'appliquer les opinions sociales et non tes propres convictions et non tes choix et non ta décision. Alors, ces opinions sociales-là ne feront jamais de toi le vrai toi. Les opinions sociales feront de toi une image de toi selon la société. Pas selon toi. Parce que tu as deux images. L'image intérieure, le vrai toi, et l'image extérieure, l'image que tu vends à la société. L'image que tu partages avec la société. Alors tu vas te retrouver en train de vivre selon les gens. Tu t'empêches de faire certaines choses de tes convictions, de tes choix pour plaire aux gens. Et tu vas te retrouver en train de vivre une fausse vie. Tu es en train de vivre une vie en caricature. Tu es en train de vivre une vie en brouillon. Parce que ce n'est pas la vie selon toi. Mais c'est la vie selon les gens. Oh, le temps est très, très jaloux. Waouh! Alors, nous voyons ces choses, même dans la famille, au sein de la famille, nous voyons ces choses. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui en train d'apprendre des métiers qui ne sont pas des métiers de leur choix, mais les métiers des choix de leurs parents. Je veux que tu sois médecin. Je veux que tu sois ingénieur. Ne me parle pas de psychologie ici. Je veux que tu sois ingénieur, bâtisseur. Alors l'enfant, par obéissance, suit le choix des parents sur son métier. Et demain ou après-demain, l'enfant ne va pas se retrouver. Il dira, ça n'a jamais été mon choix. C'était le choix de mes parents. Même dans le foyer, nous voyons cela. Surtout les hommes dictateurs. Ils sont là en train de façonner, afin de fabriquer, de modeler leurs femmes à leur image. Donc, ça veut dire que la femme devient la définition selon l'homme, selon le mari. Dans des foyers où règne la dictature. Je veux ça, rien de plus. Tu dois être comme ça, tu ne dois pas peigner tes cheveux, tu ne dois pas aller au salon de coiffure, tu ne dois pas appartenir à un groupe, tu ne dois pas être sur les réseaux sociaux. Là, ce sont des foyers de Hitler et de Mussolini et de Staline. Et il y en a plein. Je suis un conseiller matrimonial. Vous ne savez pas des choses que j'écoute en parlant avec des couples, en m'entretenant avec des couples, en accompagnant les couples, surtout les couples, souvent des foyers qui sont en train de battre les ailes. Donc, vous voyez la femme là, ce n'est pas sec. C'est pourquoi vous allez voir que, très souvent,
Dès que l'homme meurt, la femme va maintenant manifester, extérioriser son vrai moi. Parce que le dictateur est parti. La femme deviendra épanouie. La femme va se maintenir belle. La femme va se faire belle à tout moment. La femme va appartenir à un club. La femme va vivre une vie épanouie parce que le méchant est parti. Donc on ne veut pas que les choses soient comme ça. C'est pourquoi je viens te dire, femme, sois toi-même. Nous voyons ça aussi au milieu du monde religieux. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui appartiennent à différentes religions sont les images de leurs dirigeants. Ils vivent selon la vision de leurs dirigeants. Dans mon église, dans mon assemblée, dans ma congrégation, il a bien dit « mon église ». Alors Dieu n'a rien à voir à faire là-bas. Dieu n'y est pas parce qu'il a dit « mon église ». Dans mon église. Je veux que les hommes viennent en manche longue, toujours avec une cravate. Tu vas pousser les gens à aller voler. Venez tel que vous êtes, dit Dieu. Alors, il y a des églises où une femme qui porte les pantalons ne peut même pas franchir la porte de cette église-là. Parce que là, ils ne croient pas qu'une femme peut s'habiller en pantalon. Come on, quelle sottise ça! Mais laissez-la telle qu'elle est. Laissez-la telle qu'elle est habillée. C'est comme ça qu'elle est venue. C'est dans cette paire de pantalons qu'elle a senti l'appel pour venir écouter l'évangile qui pourrait la changer, qui pourrait la transformer. Laissez-la rentrer telle qu'elle est. Laissez-la accéder au culte telle qu'elle est dans cette paire de pantalons. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Alors, vous allez voir que dans le milieu religieux, les adeptes sont l'image de leur gourou. Ils sont l'image de leur dirigeant. Même au travail, nous voyons aussi qu'il y a certaines personnes qui cherchent à avoir les dessus sur les autres, leur montrer comment elles doivent travailler, ce qu'ils doivent faire et tout ça, oubliant que tous deux, ils sont passés par la même formation, par le même entraînement, le même atelier. Ils ont appris les mêmes choses. Alors, un gourou professionnel sera là, en train de vouloir que l'autre fasse les choses selon lui ou selon elle. Ça peut être un supérieur, ça peut être un collègue de même rang, ça peut être même un subalterne. C'est pourquoi je suis venu te dire, sois toi-même. Enfant, sois toi-même. Ne fais pas les choses selon les choix de tes parents. Femme, sois toi-même. Ne fais pas les choses selon les goûts de ton mari. Croyant, sois toi-même. Ne fais pas les choses selon les choix de ton gourou. Collègue, sois toi-même. Ne fais pas les choses selon les choix de tes autres collègues. C'est ça, sois toi-même. Alors, comme j'avais dit, je vais repartir sois toi-même en différents morceaux. Le morceau d'aujourd'hui, c'est « Pense toujours positif ». Donc, là, je suis maintenant en train de te donner quelques conseils pour être le vrai toi. Premier point, pense toujours positif. Cela veut dire quoi? T'es très négatif. Ne sont pas qui tu es. Tout le monde a ses traits positifs et ses traits négatifs. J'ai mes traits positifs, j'ai aussi mes traits négatifs. Tout le monde en a. Tu as tes traits positifs, tu as aussi tes traits négatifs. Mais,
tes traits négatifs ne sont pas qui tu es. Alors, essaye de remplacer les discours négatifs par des pensées positives qui te permettront d'être toi-même. Ce sont des pensées positives qui vont produire en toi des énergies positives au point de pouvoir même contaminer ton environnement, ceux et celles qui t'approchent. Donc, tu seras un créateur de bonne atmosphère, un créateur du bon climat. Quand tu es là, tout le monde se sent bien. Parce que tu as pu exploiter tes traits positifs, tes énergies positives. Alors, lorsque tu te concentres trop sur tes points forts, sache que tu es en train de te construire. Parce que tes traits faibles ne sont là que pour t'abattre. Tes traits faibles, tes traits négatifs ne sont là que pour produire des énergies négatives autour de toi. Et ça commence par ton intérieur. Ça ronge ton image intérieure. Et ça se manifeste parce que le corps ne fait que céder. Ton image intérieure est affectée et passe le message à ton esprit, là où il y a le raisonnement, la réflexion, la mémoire et tout consort, les sentiments. Et alors, ça projette maintenant un venin sur le corps et le corps obéit à ça. Et le corps s'incline. Et on va se retrouver devant une personne abattue. Pourquoi? Parce que tu as pris beaucoup de temps à nourrir et à te nourrir de tes traits négatifs. De tes traits faibles. Voilà que ça produit des énergies négatives qui ont empoisonné ton esprit et ton esprit ensuite a aussi empoisonné ton physique, ton corps. Alors, pour ne pas y arriver, pense toujours positif. Parce que, je l'ai toujours dit, au cours de la journée, nous avons 24 heures. Et les 24 heures sont réparties en 4 blocs de 6 heures. Et très souvent, tu n'arrives pas à utiliser un bloc et la moitié du bloc en pensant positif. C'est pourquoi tu es dans la condition dans laquelle tu es maintenant. Même en condition de maladie, tes énergies positives peuvent te guérir. Juste en pensant, juste en méditant à la bonne santé, à l'épanouissement, comment tu peux vivre une vie de bonheur. Juste en pensant positif, ta pensée peut te guérir. On n'aura même pas besoin de prier sur toi. Juste en pensant, juste en exploitant tes traits positifs, tu peux te guérir toi-même. Tu peux transformer le cours des choses toi-même. Juste en pensant souvent positif. Pourquoi suis-je malade? Je ne suis pas censé être malade. Un corps malade ne devrait pas connaître l'épanouissement, l'indépendance. Un corps malade est sujet à la dépendance. Je ne veux pas être dépendant. Non, je refuse ça. Donc, quand tu dis je refuse ça, tu es en train de bousculer, tu es en train de secouer tes énergies positives, tes traits positifs. Et ça passera un message à ton esprit et ton esprit fera soumettre les corps. Et tu vas t'élever et tu diras, je ne suis pas malade. C'est l'attitude mentale qui compte. C'est un peu ce que les religieux appellent la foi. La foi est une attitude mentale correcte. Donc, exploite beaucoup plus tes points forts.
Et tu dois aussi arriver à les connaître pour mieux les exploiter. Parce que j'avais dit, tu dois savoir identifier et reconnaître tes points forts et tes points faibles. Alors, dès que tu les as identifiés, tu sauras mieux les exploiter. Donc, si tu ne connais pas tes points forts, pense au moment de ta vie où tu as pu réaliser un grand exploit. Écris. Waouh! Ha ha! Oura! Je l'ai fait! Je l'ai enfin réalisé! Oh, Ben, tu es fort! Ben, tu es puissant! Oui! Arrive à ça. Pense à ce que tu as pu faire. Pense à ce que tu as pu réaliser dans ta vie. Pense même à un seul exploit que tu as pu réaliser. Peut-être que cet exploit était juste d'assister une chienne qui mettait bas. C'est un exploit. Tu as assisté cette chienne en difficulté pour mettre bas et tu l'as assisté. Et le chiot est sorti. C'est un grand exploit. Pense seulement à ça. Pense à ça. Et commence à te nourrir de ça. Et tu vas voir ce qui va se faire dans ta vie. Sois toi-même et tu vas vivre les délices de la vie. Ne vis pas selon l'image des autres. Ne sois pas la définition des autres. Ne vis pas selon les opinions sociales. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa façon de vivre. Tu as un choix à faire quant à ce que tu veux être. Tu as un choix à faire quant à ce que tu veux devenir. Alors ne te laisse pas manipuler par les opinions sociales. Tu es une femme très belle et tu as des rondeurs. Oui. Qui t'a dit que les femmes rondes ne sont pas belles? Qui t'a dit que les femmes rondes ne sont pas charmantes? Qui t'a dit que les femmes rondes ne sont pas sexy? Qui t'a dit ça? C'est la société. Et tu as tellement écouté ça, tu t'es tellement nourri de ça, que tu commences à te sous-estimer. Tu commences à te voir dans un mauvais corps. Tu as des rondeurs, ma chérie, tu n'es pas dans un mauvais corps. Tu es belle. Tu es sexy. Tu es attirante. Tu es charmante. Avec ces rondeurs-là. N'écoute pas ce que la société dit. Seulement, si ces rondeurs commencent à aller au-delà pour t'amener à une phase obèse, c'est alors que tu vas chercher BM Wellness pour avoir des produits appropriés et perdre du poids. Perdre du poids ne veut pas dire maigrir jusqu'à devenir maigrichon. Non! Donc, voilà des choses que je veux que tu connaisses. Sois fier de tes rondeurs. Joyce Kavunga, sois fier de tes rondeurs. Tu avais fui le débat sur Yamado, hein? Je sais, tu avais évité ça. Donc, tu es belle comme ça. N'écoute pas ce que la société dit. Là, c'est Dinel que je vois, Sylvain Okulama. Ouh! J'ai beaucoup d'amis en ligne. Hein. Partagez aussi. Hein. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens vivent selon les influenceurs et les influenceuses. C'est devenu une vague. Il y a des gens pour qui tel influenceur ou telle influenceuse, c'est mon absolu. La façon dont elle se présente, c'est comme ça que je veux me présenter. La façon dont elle parle, c'est comme ça que je veux parler. La façon dont elle s'habille, c'est comme ça que je veux m'habiller. Tu te mets dans un piège mortel. Tu ne seras jamais elle, elle ne sera jamais toi. Elle est ce qu'elle est, soit ce que tu es. Sois toi, sois toi-même.
Elle est soi-même. Sois toi-même. Je suis moi-même. Il n'y a pas deux Ben Souka au monde. Je suis tel que je suis. Je peux venir ici vous déposer des grands mystères sur des choses cachées dans des secrets pharaoniques. Mais la façon dont je vais le présenter, vous direz, mais ce gars-là, mais il n'est pas gentil, il est brutal. Écoutez comment il parle. Mais les autres viendront avec beaucoup de diplomatie. Bon, notre sujet d'aujourd'hui, il est comme ça. Moi aussi, je suis comme ça. Il a son signe de naissance, j'ai mon signe de naissance. Il a sa pierre de naissance, j'ai ma pierre de naissance. La mienne, je la porte. Voilà, ma pierre de naissance est là. Ce n'est pas sa pierre de naissance. Donc, nous sommes nés sous des influences différentes. Il a son zodiaque, j'ai mon zodiaque. Il a sa constellation, j'ai ma constellation. Je ne peux pas faire les choses comme lui. Et s'il s'hasarde à faire les choses comme moi, il va se noyer, il va perdre les followers, il va perdre les gens qui le suivent. Ils vont dire, mais ça c'est quelle conversion brutale. Comme ça. Donc, je veux réellement que ces choses puissent aider quelqu'un. Katala Shindapol, merci. Joyce Kavunga, très vrai. Joyce Kavunga, voilà dans la peau d'un autre Netozo Boya. Sois toi, sois vrai. Ah, quelle belle exhortation de la part de Joyce Kavunga. Donc, cet influenceur-là, cette influenceuse-là, comme aujourd'hui, ça cartonne, hein, ça fait du buzz. Hein. Les influenceurs, les influenceuses, ça fait du buzz. Oui, et vous savez, je ne veux même pas rentrer dans cette saleté-là. Aujourd'hui, surtout les femmes, elles vivent selon les goûts des influenceuses. Qui t'a dit que ces goûts-là sont les meilleurs? Qui t'a dit? Tu ne sais même pas les choses par lesquelles cette influenceuse-là est en train de passer. Tu ne sais même pas les choses par lesquelles cette conseillère matrimoniale est en train de passer dans son propre foyer. Je dois rester professionnel, sinon les secrets vont éclater ici en plein jour. Et toi, tu le vois simplement là-bas, tu la vois simplement là-bas, en train de te faire des très beaux discours. Tu ne sais pas des choses par lesquelles il est en train de passer. Tu ne sais pas des choses par lesquelles elle est en train de passer dans son foyer. Elle est dans un foyer infernal. Mais elle paraît là-bas. Oh, mais chérie, vous savez quoi? Une femme doit être comme ça. Une femme, quand tu fais le sexe avec un homme qui est géant, tu dois faire ceci. Avec un homme court, tu dois faire ceci. Avec un homme qui a un gros ventre, tu dois faire ceci. Avec un homme qui est éjaculateur précoce, tu dois faire ceci. Est-ce qu'elle qui te parle là, elle a connu tous les genres des hommes dont elle parle? Est-ce qu'elle a été avec des géants? Elle a été avec des hommes qui ont des calibres 12? Est-ce qu'elle a été avec des éjaculateurs précoces? Est-ce qu'elle a été avec des hommes qui ont du bidon? C'est de la farce! Sois toi-même. Je vais développer ça encore mieux plus tard. Alors, ça a été un plaisir pour moi de cheminer avec toi. Donc, je m'adresse à toi. Sois toi-même. Assume tes choix. Assume la décision que tu as prise de vivre la vie que tu es en train de vivre maintenant parce que tu es le résultat de ton choix sur ta propre vie. J'ai dit et j'ai terminé sous cette note. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je me fous de toi. Sois toi-même, je suis moi-même. À demain. Même heure, même fréquence.